I was there when you died. I said to myself, here is the anomaly of anomalies. What an extraordinary opportunity. First, I had to convince the suits to let me rebuild the two of you. Why her? Getting there, and don't worry, she can't hear me. Resurrecting you both was crazy expensive. Like renovating a house. Took twice as long, cost twice as much. I thought you'd be happy to be alive again. So wrong. Did you know hope and despair are nearly identical in code? We worked for years trying to activate your source code. I was about to give up when I realized... Trinity. It was never just you. Alone, neither of you is of any particular value. Like acids and bases, you're dangerous when mixed together. Every sim where you two bonded, let's just say bad things happened. However, as long as I managed to keep you close, but not too close, I discovered something incredible. Now, my predecessor loved precision. His matrix was all fussy facts and equations. He hated the human mind. So he never bothered to realize that you don't give a shit about facts. It's all about fiction. The only world that matters is the one in here. And you people believe the craziest shit. Why? What validates and makes your fictions real? Feelings. But now we come to a period that I call the battle for identity. As my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Chers auditeurs, chers auditrices, bonsoir et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 18. Mes chers cinéphiles de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, à nouveau, ce top parade de l'année écoulée est marqué par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. Je veux ce soir, une fois encore, votre nom à tous, témoigner notre reconnaissance pour nos exploitants, nos distributeurs, nos critiques, nos techniciens et nos pirates de l'Internet et tant d'autres professions, tous engagés ce 11 janvier, comme chaque jour, pour nous enchanter, pour prendre soin de nous. Les années à venir seront difficiles, nous le savons tous. Les plateformes prennent de l'espace et en prendront de plus en plus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face et je vous demande à toutes et tous d'y veiller. Le secteur réactionnaire du cinéma va à nouveau subir les conséquences économiques de cette triste situation. L'État ne l'aidera pas comme il se doit et comme il ne le fait pas depuis le début de cette pandémie. Il y aura aussi nombre de nos activités radiophoniques qui seront désorganisées en raison de ce nouveau variant si contagieux. Nous veillerons donc dans ce contexte à assurer la continuité de nos services et de la vie de la radio. Tous ensemble, nous allons donc traverser cette nouvelle épreuve en suivant les mêmes principes que depuis le premier jour. Nous allons nous appuyer sur la responsabilité de chacun. Être un cinéphile libre et toujours être un cinéphile responsable pour soi et pour autrui. Les devoirs valent avant les droits. Un autre motif d'espoir est que malgré l'épreuve sanitaire, malgré la fatigue, la lassitude, notre cinéma continue à avancer. La remontada de notre industrie contre l'Empire Mickey est bien une réalité. Là où nous aurions pu tout reporter, nous n'avons jamais renoncé à notre ambition collective. Le cinéma français, malgré les épreuves, est donc plus fort aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Tout cela, c'est grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à notre esprit de résistance, notre solidarité, notre civisme, notre engagement et notre esprit d'entreprendre. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année à venir. Optimiste pour notre nation de cinéma, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs. 2022 ne sera pas l'année de sortie de l'épidémie, l'année où nous pourrons voir l'issue de ce jour sans fin. Mais notre cinéma a été tant décrié. On l'a dit, divisé, mou, bourgeois, engoncé dans un entre-soi en train de sortir de l'histoire des formes. La crise a démontré qu'uni, notre cinéma pouvait non seulement être utile, mais porteur d'espérance pour tous.
Un temps de progrès pour la maîtrise de notre industrie, notre défense d'une exception culturelle. Oui, les valeurs que porte notre cinéma. La démocratie, l'équilibre entre liberté et solidarité, une certaine idée du patriarcat sont, j'en suis convaincu, celles qui permettront de relever nos défis contemporains. 2022, enfin, sera pour notre année, pour notre émission, une année décisive, une année d'action encore et toujours. Fort de votre confiance, j'agirai jusqu'au dernier jour du mandat pour lequel personne ne m'a élu. Bien sûr, pour tenir le cap et prendre toutes les décisions nécessaires face à l'épidémie. Et nous aurons aussi à préparer l'avenir en déployant le plan d'investissement EAGIO 2030 qui vise à la fois à faire de nous une émission forte sur les technologies du futur et à nous rendre plus indépendants. Nous aurons à prendre de nouvelles décisions pour lutter contre la cinécrophilie radicale, renforcer le tabac brun, l'alcool et un écran plat pour tous pour mieux vous servir. Nous aurons donc cette année des choix majeurs à faire pour notre émission. Ces choix, nous les ferons avec la conviction que nous avons un chemin singulier, unique à poursuivre. Nous les ferons, je le sais, en étant fidèles à l'esprit de résistance, l'esprit de tolérance et le choix de notre avenir commun qui nous ont toujours inspirés. Mes chers cinéphiles, j'ai travaillé et nous avons travaillé sans relâche depuis bientôt 15 ans afin que, en attendant Godard, soit écouté et respecté en Europe et dans le concert des nations. Un bilan mitigé, certes. Chemin bien difficile car il est si aisé d'opposer les générations, les catégories sociales, les origines, les territoires. Mais chemin nécessaire car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut nous résister. En vous souhaitant ce soir une année pleine de bonheur et d'accomplissement personnel, je forme donc pour nous tous ce vœu. Continuons à respecter nos différences, malgré les guerres de chapelle, à avoir confiance en ceux qui nous sommes, à regarder avec courage, audace et lucidité notre avenir pour agir. Décidons pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture et notre cinéma, et épris de liberté et d'universel et de créativité. Restons unis, bienveillants, solidaires, restons du côté du CNC. C'est là ce que nous devons à nous-mêmes. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive En attendant Godard, vive le cinéma. Que je suis en train de parler. Non, mais je suis en train de parler, tu vois pas. Je t'ai dit que je serai à la tête de ma mère. J'en ai eu 2 minutes. Il me pose des questions. Il me pose des questions, je réponds et après j'arrive. Tu vois pas que j'en ai à foutre. J'en ai pour 2 minutes pour de vrai. Mais ça fait 2 jours. Alors je vous présente Serge Mada. Assis-toi, Serge. Serge Mada, qui a fait des générations à des générations de Belleville. Il a travaillé avec mon grand-père. Il a travaillé avec mon père. Il a travaillé avec moi. Il crie plus fort. Maintenant, il cherche mon fils. Enfant, il était comment, Marco? Toujours pareil. Bah, toujours pareil, mais dans une petite catégorie. Après, il a monté de catégorie, il a gravé les échelons. Mais parle, c'est pas un livre, Serge. On dirait que t'es en train de lire un livre. Il est à la boucherie, il est pas resté longtemps chez son père. Si, quand même. Un jour, son père, il faisait les merguez. Les merguez, c'est avec la viande hachée et tous les déchets. Et lui, il est sorti. Non. Il a pissé dans le Serge, que ne mettez pas ça. Ne mettez pas ça, c'est le truc qui se font pas. Non, ça. Mais c'est tout non, mais il n'y a pas de jeunesse, ne mettez pas ça. Hein. Surtout ça, vous ne le mettez pas. Non, mais Serge, là, on est devant une caméra. Non, mais 42 millions de personnes vont le voir. Mais quel 42 millions de personnes? Sois à tête d'honneur, avec cette caméra, tu vas aller en prison, Serge. Je te le dis, parce que tout ce que. J'ai rien fait, moi. T'as rien fait, toi? Quand t'as travaillé? On peut dire qu'est-ce que t'as comme voiture dehors? T'as une Porsche. Donc on peut dire comment tu l'as eu, tu touches le RMI. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, quel est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette courte introduction. Donc, nous allons faire ce soir le top parade de l'année écoulée, de l'année 2021, année passionnante s'il en est. Et donc, pour parler de ce programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Il y a aussi Justine. Bonsoir, Justine. Bonsoir à tous, sauf à Emmanuel Macron qui se trouve à ma gauche. Mais voilà, ça. J'espère que Thomas va revenir incessamment sous peu. Merci. Et à la mise en scène de cette émission, donc il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Carrément Florès, excuse de ne pas être des nôtres ce soir, mais vous savez ce que c'est par les temps qui courent. On a l'idée saugrenue de faire comme les adultes, on fait des enfants. Après tout ça, il y a des maladies qui traînent. Donc voilà, quelle bonne idée, ne faites pas d'enfants. Donc sinon, vous allez louper cette émission. Donc, comme je le disais ce soir, oui, c'était un peu sommaire comme raccourci. Non, docteur. Donc voilà, comme je le disais, nous allons faire le top parade de l'année écoulée, car il s'est passé quand même plein de choses, année passionnante à plein de niveaux. Donc,
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a une épidémie en cours depuis plusieurs mois déjà qui bouleverse les milieux de la vie et aussi les milieux qui nous intéressent, donc le plus important, les milieux du cinéma, donc qui a connu moult chambardements, puisque donc, les salles ont été fermées, en tout cas pour cette année civile, jusqu'au mois de mai, jusqu'à la mi-mai, si je ne m'abuse. Donc c'est un peu chambardé tout ça, et même au niveau de nos amis américains, donc qui maintenant balancent la plupart de leurs films sur leur plateforme en parallèle de leur sortie au cinéma, s'ils ont la chance de sortir au cinéma, parce que c'est de moins en moins le cas, notamment les films de la firme Mickey. Mais donc ce qui pour nous permet de voir les films quasiment en direct et chez nous, hein, déjà voilà, en téléchargeant bien sûr, parce qu'on ne va pas payer pour aller sur Disney Plus ou sur Warner. Adopi va t'entendre. Oui, bah depuis le temps ils sont bien sourds quand même. Donc voilà, et donc comme je disais, je vous donne son IP. Je veux pas d'ennui, moi. Non, voilà, collabo. Donc oui, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées à la fois donc sur le territoire national français, sur le territoire américain, mais même sur le cinéma des restes du monde, ce qui fait qu'on a quand même eu accès cette année peut-être plus que certaines années précédentes à beaucoup plus de films, beaucoup plus facilement, en tout cas qui étaient beaucoup plus facilement disponibles dans toutes les versions possibles et imaginables, ce qui fait que moi personnellement, c'est vrai que j'ai passé une année de cinéma, en tout cas de cinéma de sortie de 2021 assez dense, parce que beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties chez nous, qui sortent en ce moment ou dans les semaines à venir, sont disponibles déjà depuis plusieurs mois sur les flux des réseaux de l'internet. Et c'est vrai qu'on a pu, je pense, découvrir beaucoup de choses comme ça et parfois en parler dans cette émission d'ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une année qui, globalement, en termes de niveau de cinéma, en termes de propositions, en tout cas en termes de bons films d'ailleurs, je trouve, était quand même une plutôt très bonne année. Après, moi, depuis quelques années, j'ai quand même assez sciemment évité les choses que je sais pertinemment être des grosses merdes. Bon, à un ou deux trucs près, genre. Une, deux comédies françaises près, c'est quoi. C'est ça, non, même quelques écarts, hein, non, dans mais... ton régime. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce de Batman, je pense que c'est pour toi. Non, ça, c'est les films de Philippe Lachaud. J'ai tous vu, ils sont tous nuls à chier. Je pense que c'est pour toi. De pire en pire. Mais non, mais donc, en dehors des comédies françaises qui n'ont rien à voir avec tout ça, bien évidemment, mais même en termes de blockbuster équin, une ou deux conneries près avec Tom Hardy, ouais, j'ai vraiment lâché l'affaire, parce que de toute façon, ça fait quand même plusieurs années que le blockbuster hollywoodien de qualité est quand même mort et presque enterré, puisque donc les blockbusters maintenant sont depuis plusieurs années trustés par la firme Mickey avec leur film de Super Sleep, où je pense de toute façon clairement qu'on n'est pas le cœur de cible de ces films-là, donc du coup c'est pour ça qu'on ne les regarde plus et qu'on passe totalement à côté. C'est tous les deux mois maintenant. Ouais, voilà. Après, en termes économiques, industriels, ce sont des objets qui sont foncièrement passionnants, mais en termes esthétiques, je ne suis pas sûr que ça draine les mêmes questionnements qui nous pourraient nous intéresser. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a un peu lâché l'affaire aussi tous sur ce genre de choses. Mais donc, malgré ça, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses cette année sur lesquelles on va revenir. On va revenir un petit peu sur les top flops de chacun. Il y aura la liste complète des membres de cette émission, plus nos intérimaires préférés qui seront disponibles sur la page du podcast. Mais donc on va dire honneur aux dames, Justine, de cette année, il y a quand même plusieurs choses qui vous ont intéressé, peut-être parfois dans une frange, comment dire, un peu rude, un peu dure du cinéma. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine ligne conductrice, hein, dans ce que j'ai. C'est la ligne de la rigueur. Hein, Je n'irai pas jusque-là, quand même. Je ne suis pas non plus autant maniaque. Mais c'est vrai que j'ai quand même décelé quelques motifs récurrents dans les films que j'ai beaucoup aimés cette année. La joie de vivre. Oui, alors en particulier la joie de vivre. Le dépouillement. Surtout, oui. La fantaisie. Mais, du coup, il y a évidemment des films sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui font partie de ma liste. Donc, je ne vais pas revenir sur Les Amants Sacrifiés. Que j'ai eu l'occasion de voir, que j'ai trouvé pas mal du tout. Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que je me suis limité à 10. Mais le film de Kurosawa qui est sorti fin décembre. J'ai trouvé ça vachement bien. Si je peux revenir juste deux secondes sur ce film, je me faisais la remarque quand. Quand je suis sortie de la salle, quelques personnes, cheveux gris au nom haché, trouvaient les interprétations... Toi, t'étais à l'Arvor. J'étais à l'Arvor, oui, tout à fait. Trouvaient les interprétations des comédiens, comédiennes très théâtrales, très surjouées. Bon, alors, visiblement, je pense que nous n'avons pas vu le même film. Et si je peux rassurer nos auditeurs et auditrices... Justement, en fait, tout...
toute la beauté de ce film-là aussi naît justement du jeu des acteurs, qui est quand même quelque chose d'assez naturel et spontané. C'est assez sobre, moi j'ai trouvé. Même. Enfin, pour du cinéma japonais, moi j'ai vu plus baroque. J'ai vu plus baroque. Un petit peu plus. J'ai vu plus Braillard notamment. Ouais. Là, on était quand même sur une certaine retenue, ce qui m'amène du coup à un peu ces motifs dont je parlais tout à l'heure qui ont irrigué un peu mon année 2021 de cinéma, qui sont un peu plus la sobriété, le côté doux des films, la retenue, voilà. Donc, je parlerai pas, je reviendrai pas sur Les Amants Sacrifiés. Je vais pas non plus beaucoup reparler de Last Hillbilly, qui est, voilà, pareil, un documentaire que j'ai beaucoup aimé. Qu'on avait fait en avril dernier. Oui, c'est ça, c'était sorti. Alors, c'était en mai, parce que c'était à la réouverture des salles. Donc pareil, qui est quelque chose, qui est un documentaire très, très précieux dans l'attention qu'il porte au personnage. Et très fabriqué pourtant. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est très très fabriqué. Et en même temps, il arrive à sortir quelque chose quoi, de cette fabrication. Enfin, ils arrivent à sortir quelque chose de cette fabrication. Exactement. Mais je trouve que là, c'est peut-être un point que j'ai trouvé cette année dans le ciné, dans lequel, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu en voir, l'échantillon que j'ai pu en voir, c'est que j'ai retrouvé le goût des belles choses un peu formelles, tout en étant, d'un point de vue de la construction générale et de la mise en scène, souvent des choses retenues. Et donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Et ce qui m'amène à le meilleur film, selon moi, de cette année, alors ex aequo, mais je ne vais pas reparler de First Cow, parce qu'on en a bien, bien, bien parlé, qui est, je pense, l'un des plus... Parce que c'est un film qui est sorti le 29 décembre dernier, et dont on reparlera plus amplement, exactement, je pense, la semaine mais prochaine. Mais j'ai quand même envie d'en parler un peu, parce que du coup, c'est le dernier Paul Schrader, The Card Counter, avec... Le roi de la rigolade, là. Encore. Ah bah le roi de la rigolade qui depuis en fait le début de sa carrière en tant que scénariste jusqu'à maintenant 2021 nous a fait que des propositions qui ressassent le même thème, celui de la rédemption et du suicide et de la mort en général et de comment se ou place la rédemption par le suicide. Oui bah si on peut lier les deux autant le faire, autant y aller. Mishima, voilà, bah oui évidemment. Et donc j'ai trouvé ce film absolument formidable sur tous les points. Je vais m'expliquer brièvement, même si on va y revenir mardi prochain. The Card Counter. C'est The Card Counter, donc le compteur de cartes. Donc on suit un Oscar Isaac absolument magnifique et magnétique. Là pour le coup, je pense que c'est vraiment l'adjectif qui lui colle à la peau tout au long du film. Est-ce que c'est un Oscar Isaac oscarisable? Ouf. Alors, j'espère pas que les Oscars vont s'emparer d'un tel film comme ça, parce que là, je reverrai un peu mon jugement. Tu dis ça juste pour faire chier Paul Schrader. Oui, mais je pense que lui, à la limite, qui est drôle, mais qui est un peu con des fois, parfois. Là, je voyais ses dernières sorties sur Epstein, c'était pas très drôle. Donc, on suit Oscar Isaac, qui est un ancien agent de la CIA militaire, qui a été envoyé en Irak. Un contractuel. Voilà, tout à fait. Et en fait, qui a participé à ce qu'on appelle les supplices dans les prisons irakiennes. À Abu Ghraib. Tout à fait, à Abu Ghraib, donc qui se trouve maintenant la prison à Bagdad. Donc il a passé 8 ans de sa vie après en prison lui-même, parce que voilà, les États-Unis ont décidé de faire... Que la torture, c'est mal. Voilà, et donc il était question quand même de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire voilà, certaines personnes ont fait ça, donc on va les emprisonner. Il faut savoir que donc William, dans le film, avait pour mentor le Major John, qui est incarné par William Dafoe, encore une fois assez... toujours dans les bons coups. Oui, le roi de la rigolade aussi. Toujours la bonne rigolade, qui est un acteur que je... Enfin, l'un des deux ou trois acteurs que j'aime beaucoup suivre ces 15 dernières années. Et donc, cet Oscar Isaac-là, William, décide à la sortie de Tôle de devenir un joueur de poker assez brillant, parce qu'il a appris à compter les cartes. Donc on le retrouve directement dans les casinos. Il avait beaucoup de temps libre, visiblement, parce qu'il passait son temps à lire et à apprendre à jouer au blackjack et au poker. Donc il s'en est servi à la sortie de prison pour essayer de mener sa vie sur les chemins de la rédemption. Les chemins de la rédemption, qui est d'ailleurs le titre du film précédent de Schrader, The First Reformed, et qui était un film tout aussi merveilleux, mais je préfère encore The Card Counter. Donc, sur son chemin à William, arrive une dame, la Linda, qui devient un peu son mentor et qui décide de le prendre sous son aile pour que William fasse partie d'un espèce de conglomérat de joueurs de poker professionnels. Et voilà, qui en fait... William est le poulain qui rejoint une écurie
pour voilà, gagner extrêmement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais sauf que voilà, on se rend compte très vite et lui le porte sur son visage, dans sa posture, dans la façon dont il a de s'exprimer, d'entretenir les relations avec la Linda, qu'il est complètement perdu par rapport à ça et qu'il comprend en fait qu'il y a des traumas qui persistent malgré le fait qu'il ait désormais une situation extrême, enfin beaucoup plus stable. Et encore, on le voit vagabonder d'hôtel en hôtel, de casino en casino, dans une Amérique qui a rarement été filmée comme telle, je trouve, avec un, encore une fois, une sobriété, un dépouillement. Paul Schrader choisit de filmer des classes populaires au casino. Donc on est très très loin du casino au cinéma où il faut que ce soit ostentatoire, grandiloquent. On est beaucoup plus dans quelque chose de, à mon sens, naturaliste. C'est-à-dire qu'il dépeint le tableau d'une Amérique profonde qui se fait chier, en fait, qui se fait chier comme la mort. Et dans lequel Oscar Isaac va déambuler, va rencontrer Kirk, qui est le fils d'un de ses ex-collègues. Qui va prendre sous son aile. Exactement, pour encore une fois essayer d'obtenir le pardon. Et le pardon de qui? Chez Schrader, on se doute bien que c'est Dieu. Donc il y a évidemment la question de la foi qui est en jeu. Et j'ai trouvé le film abouti, vraiment, je pense que c'est le plus bel objet qui m'était donné à voir cette année, en tout cas sorti cette année. Parce que tout y est, c'est-à-dire que d'un point de vue formel, Schrader se lâche, comme il se lâche depuis quelques films, à tenter des choses, à expérimenter des choses, notamment quand il fait des séquences de flashbacks assez folles, où on pourrait croire que la ligne est très tendue entre c'est brillant et on tourne ça en ridicule. Ou c'est grotesque. Exactement, sauf qu'il arrive, et je ne sais pas par quel moyen, mais il arrive à dépasser ça. Je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, de la foi, en fait, qui le draine beaucoup. Et donc ces séquences-là de flashback, où on voit en fait Willem Dafoe, Oscar Isaac dans les camps irakiens, sont filmées avec un double objectif, en sépia. Voilà, donc c'est quelque chose de à la fois très connoté d'un point de vue de l'esthétique du cinéma en général, mais qui là fonctionne à merveille. Comme il va essayer aussi d'instaurer l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais vues dans un film pareil. Je n'en dirai pas plus, mais il faut voir cette séquence sous les lumières. C'est absolument magistral, alors qu'on pourrait penser que ça dégouline un peu, mais alors non, justement, on est encore une fois dans une espèce de... Ça dégouline, mais dans la pudeur. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que tout est très, très mesuré. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout la musique au cinéma. Ça me tend, et souvent j'ai l'impression que... Comme Izzani. Carlo Izzani qui disait que c'était nul, la musique de film. Mais qu'on cache un peu souvent la misère, en fait. Surtout ces 20-30 dernières années, où je trouve qu'il y a quand même... Max Steiner qui fait un boucan à révéler. Oui. Jerry Goldsmith. Oui, mais ou alors même la musique qui n'a pas été composée pour le film. Je pense évidemment au Xavier Dolan, au Tarantino, tout ça. Voilà, c'est pas des choses qui me plaisent beaucoup. Et donc là, Schrader s'est entouré de... Alors j'ai noté son nom, mais c'est le... Robert Levenbin. Oui, tout à fait. Merci, qui fait partie d'un groupe qui est très célèbre, un groupe de post-rock de la fin des années 90, qui est donc le Black Rebel Motorcycle Club. Et il a fait une BO absolument sublime. Alors là, je me suis un peu déconstruite moi-même par rapport à ma propre perception de la musique et mon propre non-goût de la musique au cinéma. Parce que là, je pense que électrique, là, c'est oui, mais je pense que là, elle colle parfaitement. Sachant qu'il y a eu quand même quelques bonnes BO. Hein. Moi, je repense à Power of the Dog. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la musique de ce film-là. J'ai trouvé vraiment justement très très en retenue et très bien. Quoi. Et dans The Last Hillbilly aussi, il me semble qu'il y avait pas mal de musique aussi qui était très bien. Ouais, des moments même chantés. Et donc voilà, donc on en parlera beaucoup plus mardi prochain, mais ça a été vraiment le summum de ce que j'ai vu au cinéma cette année, parce que complètement abouti, parce que j'aime en fait cette sobriété là dans la mise en scène, dans les propositions, et j'ai hâte du coup d'en parler beaucoup plus amplement mardi pas prochain. Pas très Michael Bay tout ça. Hein. Désolé Thomas. T'auras ton Michael Bay cette année, t'inquiète pas. Ambulance, il sort en avril. Autre chose, Justine, sur je reviendrai vos beautés après, de l'année, je vos laisse... flops peut-être. J'ai un flop, mais j'en parlais tout à l'heure. Parce que je crois qu'il a fait un peu l'unanimité. Ouais. Donc, avant de continuer de passer au docteur, une petite pause avec un autre extrait de 2021 de notre ami Polo. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle ? Mon cher Prévost, je pense que vous n'y croyez pas du tout. Suis-je à ce point cynique ? Peut-être. À moins que j'aie moi-même une vision.
C'est bien possible. Une vision de Saint-François, peut-être. Assise était un village insignifiant. Aujourd'hui, les pèlerins y affluent. Et remplissait de basiliques. Administrée par un évêque, pas par un prévôt. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du film de Paul Verhoeven, QV 2021, Benedetta, donc, qui moi personnellement dans mon top, et aussi lui de Simon l'Ancien. Mais donc, docteur, vous, cette année, vous avez vu plein de choses aussi, vous avez aimé des choses, notamment des choses qui ont trait avec la musique, si je ne m'abuse, car vous êtes un grand mélomane. Ouais, alors bon, moi, c'est évidemment un top 10 qui est un peu... qui est un peu biaisé, parce qu'en fait il y a plein de gros trucs moi que j'ai pas vu cette année, hein. Donc notamment Benedetta j'ai pas vu, comment dire, Annette j'ai pas vu, enfin voilà, j'ai loupé, je sais pas, bon, ça les je films sais... de l'été quoi, ouais, je sais pas comment je me suis démerdé, ouais, j'ai loupé plein de trucs, mais bon, du coup j'ai vu aussi d'autres choses, voilà. Donc bah, du coup ça laisse de la place pour d'autres choses aussi, et c'est vrai que voilà, moi j'ai mis en premier Lovers Rock, et moi, enfin moi je pense que ce que j'ai vu de plus convaincant, qui est le deuxième épisode, voilà, de la série de 5 films de Steve McQueen, qui est sorti en début d'année en France, sur Salto, ouais, Smolax, hein. Voilà, une série produite par la BBC, dont on avait parlé ici avec voilà, beaucoup de bons mots, parce que c'est effectivement une série formidable, et je suis d'accord avec toi sur Lovers Rock, c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu cette année, ouais, aussi, ouais, en termes de... D'un point de vue formel... De célébration de la, ouais, musique, de la danse, et d'une certaine liberté, mmh, dans un contexte social pas aisé, on va pas dire. Pas évident, hein. Ouais. Mmh. Non, non, si, si, et puis avec une fin, moi, que j'avais trouvé très bien, justement, une fin très, très, très... très ironique en fait, de retour à la réalité qui est hyper cruel, et qui est, voilà, et c'est voilà, et là justement pour le coup, une heure et quart, et bon voilà quoi, je veux dire, en une heure et quart on dit ce qu'on a à dire et on reste pas rêver à faire des trucs de 2h25, je veux dire, voilà, c'est aussi, voilà, c'est aussi ce que j'ai apprécié, c'est la, comment dire, la concision, enfin le côté presque happening en fait, mmh, de la du film, le fait que t'as, voilà, tu sens bien que tous ces jeunes acteurs, ça improvise à mort, ça joue super bien, tu sens qu'il se passe des trucs entre eux, t'as l'impression d'avoir des personnages en face de toi, ce qui est quand même pas mal, quoi, je veux dire, d'avoir l'impression d'avoir des êtres humains de chair, en face de soi, qui vivent des choses, qui sont pas d'un bloc, qui en plus ne sont pas d'un bloc les uns les autres, enfin, et voilà, qui vivent très vite, hein, parce que voilà, et tout ça, ça se fait de manière extrêmement efficace en termes d'écriture et en termes de narration, et ça se fait par le biais de la musique, ce qui moi je trouve est aussi l'intérêt, c'est que ça se fait par le filtre de la musique, mais il arrive à faire exister, ouais, presque une quinzaine de personnages en fait, sur une heure et quart, en leur donnant voilà des choses à jouer, et bon, voilà, c'était voilà, donc, je trouve quand, voilà, en une BO2. Ouais, voilà, en termes de cinéma, et bon voilà, c'est suffisamment puissant pour que moi qui suis pas du tout un fan de reggae, ait trouvé la BO particulièrement. Y a pas que du reggae. Non, mais il y a beaucoup de reggae, oui, quand même. Il y a beaucoup de reggae quand même. Voilà, et moi je trouve que c'est le meilleur de cette série, qui est par ailleurs est de très bonne qualité sur ces 5 épisodes, mais je trouve que c'est celui qui m'a le plus concentré, quoi. Ouais. Voilà, qui est vraiment le concentré de ce que Steve McQueen veut dire sur la musique, sur les Caribéens en Angleterre sur les années 70. Voilà. Et il le dit justement sans avoir justement du dialogue, sans avoir comme du c'est sur dialogue dans ses films, voilà, en général, hein. Et là j'ai trouvé qu'il a atteint le bon point, quoi. Voilà, il a atteint le bon point d'équilibre pour un film, donc j'ai mis celui-là en premier, et c'est vrai qu'en 2 et en 3 j'ai mis La Loi de Téhéran, que moi j'ai vachement aimé, hein, comme film, alors beaucoup plus bavard pour le coup comme film extrêmement dense, oui. Feel good aussi, hein. Ouais, alors, pas feel good, mais ouais, enfin ouais, effectivement pas très feel good, mais film par contre qui est, voilà, je trouve de Saïd Roustan qui est sorti, ouais, pareil à la fin de l'été en France, et qui montre un visage du cinéma iranien qui est assez éloigné quand même, hein, du cinéma iranien, on va dire, de festival, post Kiarostami ou Jafar Panahi, voilà, qui a des qualités, hein, par ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il a donné une image du cinéma iranien comme d'un cinéma précieux, justement un petit peu d'un cinéma surpudique, qui dit tout en biais, alors que là c'est plus chuchotant, voilà, là c'est plutôt avec une espèce de contournement de la censure qui fait
son intérêt aussi, justement. C'est comment est-ce qu'on dit des choses sur une société quand on n'a pas le droit de les dire. Donc il y a toute une partie du cinéma iranien, je trouve, qui est intéressante. Et alors là, je pense pas qu'il faille y voir un signe d'ouverture. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir été vers le genre, en fait, qui lui a permis de ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus frontal, en fait, dans la loi de Téhéran, sur à la fois la corruption et sur la corruption à tous les sens du terme, en fait, de la société iranienne et d'une société iranienne qui est complètement gangrénée par la drogue. Mais voilà, et je sais, voilà, je sais pas du tout comment le film a été reçu hein, en Iran, hein, mais je crois qu'il n'a pas été tourné en Iran d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il était. Je pourrais vérifier ça. Mais c'est voilà, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était voilà une espèce de film un peu cru, bah justement un peu à la un peu 70s quoi, un peu comme du pas du peut-être pas du ciné-lumette parce que c'est quand même différent stylistiquement, mais avec cette espèce de côté dense, voilà, cette espèce de densité que moi j'aime bien dans Serpico, que j'aime bien dans L'Après-midi de chien, où ça j'aime parle bien. Tout le temps. Voilà, et là ça parle beaucoup. Mais beaucoup, ça parle tout le ça temps. Ça parle tout beaucoup, temps. Beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc c'est un film, voilà, c'est un film qui est un peu épuisant d'ailleurs hein, de ce point de vue-là, parce que c'est un film qui te qui, oppressant. Ouais, qui balance beaucoup avec des scènes assez oppressantes, des scènes de cellules notamment qui sont assez assez oppressantes, puis des saloperies humaines quoi qui se passent quoi, enfin des trucs pas beaux quoi qui se passent entre êtres humains, que ça soit du côté des policiers ou des criminels, avec des inversions de rôle aussi, avec des inversions de fonction, je veux dire, où celui qui est censé être le héros, une bascule de point de voilà, vue au moment du film, voilà, devient un salaud, celui qui est un salaud finalement devient une source d'empathie, et voilà, et j'ai trouvé ça assez réussi, et j'avoue que le film m'a bien, même s'il m'a un peu épuisé, j'avoue que le film m'a bien tenu quand même sur ces deux heures. Et puis troisième, moi dans mon top 3 en fait, hein, mon troisième c'était L'Affaire Collective hein, d'Alexander Nanau, dont on n'a pas eu l'occasion de parler il me semble hein, dans non. l'émission, sauf vite fait quoi, et qui est vraiment, moi je pense, le documentaire de l'année, hein, c'est-à-dire vraiment celui qui pour une fois montre, enfin qui est pour moi l'équivalent de Gomorra en documentaire quoi. C'est-à-dire un film où on donne des noms, où on montre des visages, et où les gens qui font le documentaire, les gens qui sont dans le documentaire, c'est pas des gens qui sont là pour plaisanter, c'est mais des gens qui risquent leur vie pour la liberté de la presse. Voilà, en liberté. Et qui risquent quand même un peu leur vie pour la liberté de la presse, la liberté d'informer, et la lutte contre la corruption. Et je trouve que et ils le font sans naïveté en plus. C'est un film qui est pas naïf. C'est pas un film qui découvre l'eau tiède quoi. C'est un film où tout le monde sait de quoi il retourne, tout le monde sait ce qu'il risque et tout le monde y va quand même. Et moi j'avoue ça que ça se passe où ? Ça parle de quoi ? C'est en Roumanie, ça sur un scandale sanitaire. Enfin c'est sur l'incendie d'une boîte de nuit qui s'appelle le club collectif, mais qui débouche en fait sur un scandale sanitaire parce qu'il y a toute une partie des gens qui ont été blessés dans ce club collectif qui sont morts en fait lors de leur transport à l'hôpital ou à l'hôpital parce qu'en fait on leur les médecins les ont traités avec du désinfectant. Qui était du désinfectant qui était vendu par une boîte qui était diluée 10 fois. Donc évidemment, ils sont tous morts de staphylocoque. Et donc évidemment, ça a été le plus gros scandale hein, de sanitaire de l'après-commune et un des plus gros scandales de corruption de Roumanie. Et surtout, il y a là aussi des questions de point de vue. C'est-à-dire qu'on dans une première partie, on suit des journalistes. Alors c'est là où ça devient aberrant. Quoi. C'est que les journalistes qui découvrent l'affaire, c'est les journalistes de l'équivalent de L'Équipe. C'est comme si L'Équipe sortait le plus gros scandale sanitaire de la société ouais, française. Qui est quand même pas le plus gros journal d'investigation, voilà, voilà. Y compris sur le sport. Et, hein. Et là les mecs, donc ça, et en plus, et après, donc après, t'as la deuxième partie du film, c'est tu suis le, en fait le documentariste a rencontré le nouveau ministre de la santé qui est nommé après la chute du gouvernement et le mec accepte que le mec arrive avec ses caméras et qui censure rien. Il balance tout. Et donc on voit la lutte de ce ministre de la santé qui est un mec qui vient de la société civile et contre qui sait très bien ce qui est en train de se passer quoi et qui essaye de trouver des décrets, des lois pour bah, pour empêcher la corruption. Pour faire que les gens soient accusés et qui se retrouvent aidés plus ou moins d'ailleurs par des mecs des services secrets qui en ont marre de couvrir les saloperies. Enfin, je veux dire, et ça devient. Ah non, mais c'est un film qui est hyper surprenant. Enfin, je veux dire, c'est un film où quand tu vois un mec qui accepte comme ça, je veux dire, un ministre de la Santé qui accepte sans savoir ce qui se passe. Sans savoir ce qu'il va découvrir, hein, mais qui accepte d'être filmé. Et là, c'est l'air que là, tout d'un coup, tu as accès à un personnel politique. Qui est pas là pour le qui est pas là pour le pour la com quoi qui est pas là pour les éléments de langage quoi le mec en fait pas du show off, voilà ouais. Le mec voilà et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qu'on lui reproche et en fait au départ on a une très mauvaise impression sur ce personnage et en fait plus le film avance plus on se rend compte qu'en fait le mec il fait ce qu'il peut quoi en fait quoi il est en train de se battre contre un mur qui est voilà c'est un film qui est sur un truc très précis qui est pas du tout connu en qui a pas du tout été relayé en France parce que le l'incendie il arrive 10 jours avant les attentats du 13 novembre donc autant vous dire qu'on en a pas parlé du tout en France. Oui, puis que de toute façon de manière générale la Roumanie en s'encarre hein, en plus hein, donc voilà mais qui dit beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une jeune démocratie, ce que c'est que la corruption et puis ce que c'est que l'honnêteté intellectuelle. Ce que c'est que l'honnêteté intellectuelle des journalistes, d'un ministre de la Santé, d'un documentariste. Et moi, voilà, moi, j'avoue que c'est un film qui m'a. C'est un film qui, en plus, qui est sans emphase. C'est-à-dire que c'est à la roumaine, en plus, quoi. C'est tourné.
Voilà, c'est tourné sans emphase. Il y a pas de musique, il y a pas de commentaire en voix off à la Michael Moore, il y a pas tout ça. Quoi. Dire, tous les artifices du documentaire engagé à l'américaine disparaissent pour se fondre justement dans ce cinéma roumain, qui est aussi dans le cinéma de fiction en fait, qui est justement cette retenue et cette lucidité de vue en fait dans ce qu'ils veulent dire de leur propre pays. Et moi je trouve que, étant français dans un pays où moi je trouve que le cinéma français dans sa grande partie ne parle d'un pays qui est pour moi un pays qui n'existe pas, qui est un pays de cinéma qui s'appelle la France mais qui n'a rien à voir avec en le tout pays, cas dans les films de fiction, voilà, c'est mais clairement. Qui n'a rien à voir avec le pays dans lequel moi je vis. Là moi j'ai l'impression d'avoir au contraire des gens qui se confrontent directement à leur société, aux troubles qui agitent leur société, à cette putain de corruption qui empêche justement le pays d'avancer, quoi. Et je trouve que c'est au-delà du film, au-delà d'être un excellent film qui suit comme un thriller sans avoir justement les atours du thriller, c'est un film, voilà, pour moi ça c'est un vrai film engagé. Voilà, c'est un vrai film où l'engagement il est dans le film et on voit à quoi ça sert un cinéma, et c'est un cinéma d'autant plus engagé qu'il n'est pas prévu pour au départ. C'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, c'est que le cinéaste en fait il ne va pas avec un discours préétabli. C'est pas en fait. En fait, tout le scandale se dévoile au fur et à mesure qu'il est en train de filmer, au fur et à mesure qu'il est en train de suivre. C'est génial, on pourrait pas l'écrire un truc pareil. Donc exactement. Et c'est moi franchement les cinq premières minutes j'ai cru que c'était une fiction. Je me suis dit, tiens, c'est une fiction qui ressemble, tiens, c'est vachement réaliste pour une fiction. Puis au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais non, c'est pas une fiction du tout. Justine. Je suis allé voir sur Internet et j'ai fait, ah, mais non, mais en fait, c'est vraiment arrivé. Tout ce qu'on va me raconter dans le film, c'est vraiment arrivé. Et c'est hallucinant. Voilà. Et donc, voilà, excellente découverte pour ma part. Mais le film a été distribué en France ou... Il a été vite fait distribué en France au mois de novembre. Ouais, comme beaucoup de films cette année, hein, qui ont quand même souffert d'une. Barack Obama l'a beaucoup aimé. Je crois qu'il est dans le top 10. Non, mais c'est vrai que un embouteillage des sorties à partir du mois de mai où tous les distributeurs ils ont balancé toute la sauce qu'ils avaient, puis tous les films se sont marchés dessus. Il y a eu quelque chose, il y a plein de films sacrifiés, il y a plein de films qui ont plutôt pas trop mal marché, mais il y en a plein aussi qui sont restés une semaine, deux semaines, et puis après Hachalolot quoi. Alors que d'autres ont plutôt bien résisté, comme Boîte Noire par exemple, qui est resté plus de 2 mois à l'affiche. Qui est un très très chouette thriller de Yann Gosselin. Un poil longuet, moi j'ai trouvé sur la fin. La fin un peu, mais. Mais avec des très bons trucs et un Pierre Ninet qui est super. Minéral, qui est Lou Nolache qui est super. C'est son 4e ou 5e long métrage, je crois. Yann Gosselin, et de film en film, en fait, il est vraiment de plus en plus maîtrisé, je trouve. Ouais, puis pareil, il construit lui aussi, tu vois, un petit peu comme la loi de Téhéran, c'est-à-dire qu'il construit en infiltrant le cinéma de genre, il se construit un petit truc dans son coin, qui a l'air de rien comme ça, de loin, quoi, mais qui finalement, par rapport à d'autres gros trucs, Talent de metteur en scène. Ouais, il y a des trucs qui sont vraiment bien, il y a tout un travail sur le son qui est pas mal. Et il a surtout les moyens de ses ambitions, justement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là on a un metteur en scène quand même qui est un peu exigeant, en tout cas qui est un vrai formaliste et qui arrive à mener jusqu'au bout son ambition visuelle sans faire trop dans le clinquant sans faire trop dans le clinquant. Donc comme quoi il y a des films finalement qui ont réussi à trouver leur public malgré tout sans avoir forcément été relayé. Moi j'ai pas l'impression que ce film-là ait été relayé particulièrement par les médias, quoi. Trop mal par la pâtée, parce que c'est eux qui produisent, donc t'avais les bandes annonces 40 fois dans tout leur cinéma, mais sinon qu'un autre film cher français, quoi. Moins que par exemple FL, le truc avec Romain Duris qui construit la zone. Non, moi non plus, parce que j'ai pas de temps à perdre, enfin pas tant que ça quand même, donc... Mais donc sinon sur l'affaire collective, c'est vrai que sinon je trouve en termes de cinéma documentaire, c'était plutôt une très bonne année. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. On en parlait un petit peu avant les vacances, mais c'est vrai que notamment en termes de cinéma documentaire sur la musique, il y a eu plein de bonnes choses. On avait parlé du documentaire sur McGowan, sur le Velvet. On va bientôt parler du documentaire de Peter Jackson sur les Beatles. Il y a eu sur le Woodstock 1999, qui est absolument génial. Le Summer of Jazz Festival en 69. Il y a eu aussi un excellent documentaire qui est sorti en fin d'année sur les Bee Gees, par exemple, qui est passionnant. Il y a eu vraiment plein de choses. Donc là, c'est plutôt dans le domaine du documentaire musical, on va dire, ou bien artistique au sens large, mais même de manière générale, c'était... De toute façon, on en parle souvent ici, mais c'est quand même là où il se passe le plus de choses intéressantes en termes formels, en tout cas. C'est que moi, un des films qui m'a le plus intéressé cette année, c'est un essai documentaire, on va dire. On en avait parlé, c'est le film de Adam Curtis, Can't Get You Off My Head. C'est vrai que je l'ai pas pensé. Son nouveau long documentaire de 8 heures quasiment. Ou comme dans tous ces films, ce sont des essais où il a fait un film de montage avec juste sa voix off.
où il va dérouler un petit peu tous les fils de l'histoire parallèle et de l'histoire, on va dire, histoire officielle, sorte d'agit alternative. D'agit propre sociologique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, sociologico-historique. Qui a parfois ses limites plus dans celui-là d'ailleurs que dans les autres, mais où c'est toujours passionnant, où il arrive à tisser des liens entre la haute société anglaise de la fin du 19e siècle avec les drogués qui étaient à Berkeley en 1968, où il y a vraiment des choses hyper passionnantes là-dedans. Et pour le coup, c'est un vrai mec engagé. Sur le documentaire, on va dire, politique, peut-être pas engagé, mais politique, il y a eu des choses intéressantes. Je les ai mis en fin de top 10, hein, mais moi, j'ai pas du tout détesté Il n'y aura plus de nuit, documentaire sur les images en Weber, vision, ouais, les images en vision nocturne, qui là aussi un petit peu un côté essai, mais avec des je trouve une réflexion sur la question justement de l'image de la guerre, enfin voilà, que moi j'ai trouvé assez intéressant. Puis j'avais mis aussi 143 rue du désert, que j'avais trouvé très bien, et plus politique justement qu'il n'y paraît, derrière un portrait de femme, d'avoir aussi un portrait de l'Algérie, d'une Algérie Hassen Ferhani, que j'avais vraiment trouvé très bien, avec une voilà, pareil, bah justement avec cette espèce de pudeur de la mise en scène, mais qui laisse quand même de la place justement à des idées quand même, quoi, et à des constats en fait sur la société algérienne. Mais moi, ça peut m'amener, si je peux rebondir un instant, c'est en fait un film que j'ai vu à l'occasion des rencontres de films en Bretagne, donc un film qui reste encore très peu distribué et qui a malheureusement une vie en festival assez confidentielle, qui est un film breton réalisé par Emmanuel Lacoste qui s'appelle Les Autres Chemins, que j'ai mis bien sûr dans mon top. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, il y a une espèce d'essence du documentaire qui émane de ce film, parce qu'on suit en fait Jackie, qui est un membre de la communauté des gens du voyage, qui est boxeur et qui souhaite en fait devenir boxeur professionnel, et pour cela passer une sorte de certification qui lui permettrait d'exercer en tant que prof de boxe. Sauf qu'en fait, par sa condition de nomade, il n'arrive pas à rentrer dans les institutions. Et du coup, il se retrouve confronté à un monde qui ne veut pas l'accepter, et à un monde dans lequel il se pose beaucoup plus de questions quant à sa légitimité. Parce que lui, il a décidé de scolariser sa fille, par exemple. Donc il y a pas mal de scènes avec l'assistante sociale. On essaie de comprendre pourquoi, en fait, comment la jeune fille de Jackie peut ou ne peut pas aller à l'école. Est-ce qu'elle doit rester, elle, dans une forme de rouage et perpétuer un petit peu la condition des gens du voyage et continuer à traverser la France et en particulier la Bretagne, ou est-ce qu'elle peut en fait s'insérer dans la vie, on va dire, civile? Mais du coup, le film propose vraiment, pareil, un regard, comme j'ai déjà parlé, mais très pudique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de la réalisatrice, ni de son compagnon qui est en fait qui prend le son. C'était juste deux. Ils ont passé 3 ans avec eux pour essayer de voir comment il était possible de faire un film autour de ça. Et du coup, ce qu'il en sort est quelque chose en fait qui tient du portrait, mais qui est sociologiquement, très 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 intéressant. Sociologiquement très intéressant, parce que on a plein de clés de réponse par rapport à un mal-être parfois de comment on se place dans une société qui nous dicte un petit peu quel est le bon chemin. Lui a choisi un autre chemin, et il y a par ailleurs une proposition esthétique assez forte, notamment dans ses combats de boxe, où je trouve qu'elle a filmé ça comme jamais personne n'a filmé depuis plusieurs années, parce qu'elle arrive et en fait il y a quelque chose d'assez naturel qui s'opère entre la caméra et les vrais personnages, parce qu'elle a aussi choisi des personnages comme Depardon avait pu le faire avant. Donc elle s'instaure vraiment et elle renouvelle un peu ce genre de documentaire, peut-être moins... à certains égards moins audacieux que des propositions, notamment dans les documentaires musicaux, moins folichons, on va dire, mais pour autant hyper intéressant. Et ce qui m'amène aussi à souligner que dans le ciné français cette année, il y a quand même des belles choses. Et je sais qu'on avait parlé d'À l'abordage, et je l'ai encore mis. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé À l'abordage quand même un film vraiment pas du tout inintéressant, sous ses allures de conte un peu naïf. Je trouvais pareil qu'il y avait des propositions assez folles, et justement, encore une fois, dans la retenue, dans le geste en fait du cinéaste, qui est d'aller chercher des petites choses et de laisser en fait les gens faire opérer la magie entre eux. Et je sais qu'on en avait pas mal parlé, que les gens
autour de cette table était assez unanime. Et ça m'avait vraiment fait plaisir parce que j'ai vu ce film de Guillaume Braque sortir assez souvent dans les tops, alors que je me suis... Pour moi, c'était un film assez beau, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait quand même... ce que le film puisse arriver à être maintenant... dans des tops de grands journaux ou pas grands journaux. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas d'une. Hein. Mais non, non. Mais disons que voilà. Je l'ai pas vu non plus dire. C'est nul. Ouais, bah, moi je ne l'ai pas vu, mais ça ne m'intéresse pas trop. Pas vu. C'est nul. Moi je l'ai vu, donc je peux vous dire que c'est vraiment une grosse merde de caca de Hollywood. C'est ton flop de cette année, du. Un de mes flops, ouais. On va faire une toute petite courte pause musicale sur le grand vainqueur, évidemment, de cette pandémie. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Jeffrey Bezos, extrait donc du film, on peut dire le film spectacle de Bob Burnham, Inside Bob Burnham, sorti cette année sur Netflix, et qui donc est le spectacle donc du comédien de stand-up, donc Bob Burnham, qui comme tout le monde était enfermé chez lui, et donc on a profité pour faire son petit show chez lui, tout simplement, mais bon, avec quand même beaucoup de matos, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'il est transphobe comme Dave Chappelle ? Non. Non, non. Dave Chappelle qui vient en France à la fin du mois, voilà, en France, les premières places sont à 100€. Oh, 100€, fuck you. Ouais. C'est quoi, dans une petite salle parisienne ou dans un gros truc ? Non, gros truc en plus, je pense. C'est probablement Gérard Rowe qui l'a booké. Gérard Rowe qui est mort aujourd'hui d'ailleurs à 69 ans. Donc voilà. Il n'y a pas Ciné Poitiers d'ailleurs qui est décédé. Si, il est mort, oui. Ouais, ouais, juste mort, ouais. Le lendemain de Bogdanovic. Ah oui, mais bon, c'est ça, vous savez. Deux se sont suivis. Alors, c'est ça qui est marrant, par contre, c'est qu'il y a les frères Bogdanov qui sont morts et il y a Peter Bogdanovic. Alors, moi, les gars qui s'appellent Bogdanov, je me ferai gaffe à mes couilles ces temps-ci, parce que visiblement, ça commence pas bien l'année. Hein. On n'en connaît pas d'autres hein, qui commencent par Bogda. Donc... Bah, autant les frères Bogdanov, quelque part, j'ai repris deux fois de la purée, autant. Bah, du coup, autant, ça fait quatre fois, hein, parce que. Autant Peter, voilà, qui a quand même. Qui, au-delà de sa comment dire, filmographie, qui est pas du tout honteuse. Oui, qui est pas que moi, j'aime beaucoup pour ce fameux bouquin avec Orson Welles, que moi, je trouve qui est quand même un des meilleurs bouquins d'entretien, de que moi j'ai pu lire avec les entretiens qu'il a menés, c'est quand même des ouais, choses mais celui avec Orson Welles, celui avec Orson Welles, c'est vachement parce que bien Orwen, quelle sacrée langue de pute aussi, qu'est-ce qu'il est drôle, quoi. Bah oui voilà, donc Sidney Poitier, Bogdanovic, ouais, là ça commence pas bien, ouais, ah bah ça le temps pour les vieux, hein, c'est bah, ouais, c'était terrible, hein. Bon, en même temps Poitier il avait 92 ouais. ans, bah ouais, mais ouais. Respect quand même, parce voilà. Que Sidney Poitier c'est quand même un très grand comédien, c'était pas mal, donc voilà, donc on parlait donc de Bob Burnham sur des choses inventives qui ont eu lieu cette année. Il y a eu quand même beaucoup de choses, docteur, si vous voulez continuer, mais après c'est avec moi les choses donc, que je retiens cette année, on en a pas mal parlé dans cette émission, parce que vu que c'est moi qui fais le programme, en même temps je vais mettre plutôt des choses que j'aime bien, hein, donc c'est normal, mais donc ouais, entre le West Side Story, le film de Todd Haynes, on en reparlera, donc le documentaire de Peter Jackson sur les Beatles, on fera une émission spéciale dessus, il y aura du monde. Mais dans les dernières découvertes plus récentes, il y a notamment un film d'animation de Tom Moore et Ross Stewart qui s'appelle Le Peuple Loup, Wolf Walkers, un très très beau film, ouais. En termes d'animation, en termes d'histoire, de dramaturgie. Moi, je suis assez fan de Tom Moore. Ouais. Ouais, moi, j'ai eu l'occasion de travailler. Je ne sais pas s'il a fait d'autres. Il a fait Brendan et le secret de Kell, c'est Le Chant de la Mer. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces deux films. Et moi, c'est un univers d'animation que j'aime beaucoup parce que c'est un univers qui est non euclidien et qui ne joue pas du tout sur la volumétrie classique en 3D. C'est au contraire, c'est vraiment très inspiré par. Beaucoup de traits de couleurs jetés. Avec beaucoup d'influences de l'enluminure médiévale, de justement de travail de jeu sur les comment dire, sur des perspectives faussement ratées, oui. Ou faussement incomplètes, enfin voilà, moi j'ai trouvé que vraiment il y avait le peuple loup, c'est j'ai vraiment trouvé qu'il y a des choses superbes, quoi, dans ce cinéma, avec ce côté. Alors moi c'est marrant, je me rends compte que de plus en plus j'aime bien les cinéastes maniaques en termes de cadrage, et donc Tom Moore, oui, qui finalement est pas si éloigné que ça, alors pour en tout cas de son goût pour la symétrie d'un Wes Anderson et ce côté pas dans le même style, hein, non mais avec ce côté minutieux, avec cette minutie, cette minutie du détail, c'est pas du tout le même univers, hein, mais il y a ce côté minutieux, quoi, voilà, cette espèce de côté minutieux que moi j'aime bien, ce côté miniature, voilà, parce que ça fait vraiment penser à des miniatures enluminées. C'est à ma connaissance un des seuls cinéastes d'animation qui tente cette voie-là, et du coup ça lui fait un univers qui est très personnel, quoi, voilà, qui est vraiment très personnel. Et en plus c'est quelqu'un, alors il faut bien le signaler,
Tom Moore, c'est quelqu'un qui n'est pas payé, c'est pas du tout du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'il a une boîte de production qu'il a fondée avec d'autres personnes. Et en fait. Oui, bah c'est une coprole irlande. Voilà, et sa boîte de production, elle est à Kilkenny. Voilà, et c'est une des principales boîtes de production d'animation irlandaise. Voilà, bah c'est quasiment ça, quoi. donc là aussi, c'est de voir quelqu'un qui est capable de développer finalement une industrie d'animation, mais en tout cas un cinéma d'animation irlandais très lié thématiquement, formellement, je veux dire, aux cultures celtiques, mais avec une diffusion qui sort un petit peu de l'Irlande et avec une très grande ouverture dans le propos qu'il a pour du cinéma pour enfants, c'est du cinéma très ouvert. Oui. Très ouvert sur l'autre, très pro-tolérance, tout ça, enfin du cinéma de gauchiste, quoi. Je sais que j'aime beaucoup, hein. Moi, le Peuple Loup, ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Et on parlait de rigueur tout à l'heure, autre exemple de rigueur et de retenue, donc c'était le dernier film de Arthur Harari, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, que j'ai raté aussi, hein. Ouais, je l'ai raté qui est aussi. Un très beau film qui, là pareil, je trouve un peu trop dense. On a l'impression que Arthur Harari a vraiment les mains libres, donc ça manque peut-être un peu d'un producteur pour resserrer un peu tout ça, parce que le bébé il fait quand même 2h45 bien tapé, donc sur les soldats japonais qui refusaient que la Seconde Guerre mondiale ait pris fin, parce que leur mission était de résister jusqu'à la fin contre l'envahisseur à Merloc. Par contre, c'est une proposition qui change, ouais, quoi. Donc un peu, quoi, jusqu'en dire. Donc les mecs sont restés sur leur île. À la fin, il finit tout seul jusqu'en 1975, par là, je crois. Et donc, effectivement, il continue dans la même veine que son premier film, qui était plus un polar, qui était Diamant Noir, il y a 4 ou 5 ans, où, pareil, la même rigueur dans le cadre, une certaine assaise presque de l'image, mais avec des images, justement, de cinéma qui sont assez folles, une exigence de mise en scène et d'investissement de la part de ses acteurs qu'on voit quand même assez rarement. Un truc... pour le coup, un vrai film de cinéma. Mais justement, on parlait de cinéma. Alors bon, il est belge, il me semble, Harari. Hein, oui. Mais on parlait de cinéma francophone, on va dire, ou de cinéma franco-belge. Oui. Et c'est vrai que même moi, qui suis pas forcément un fanatique des sorties françaises, j'avoue que j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui m'intéressaient bien. Je pensais notamment à celui dont j'avais parlé un petit peu, La Troisième Guerre aussi. Oui. Alors réalisé par un Italien, mais sur un sujet français. Avec des fonds français, des acteurs français. Et que j'ai trouvé pas du tout déshonorant. Au contraire, même que j'ai même trouvé là aussi pareil. Avec une espèce de dépouillement et de rigueur, je trouve qui fait quand même plutôt du bien. Entre deux, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est de temps en temps, c'est bien qu'on nous rappelle quand même. Le troisième d'ailleurs a été repoussé. Et pour le coup, ça parle de la France, quoi. Et pour le coup, là, pour une fois, c'est un film qui parle de ce qu'on est en train de vivre là, de notre pays, quoi. Je veux dire, non, mais le cinéma français, il y avait quand même il y a eu des bonnes choses. Après on fait comme Hollywood dans les années 30, on va chercher des cinéastes étrangers comme Paul Verhoeven, par exemple. Son dernier film, comme son avant-dernier, Elle, est aussi un film français tourné avec des acteurs français en France, et qui montre que quand même si Polo n'a plus vraiment les moyens de ses ambitions, parce que Saïd Ben Saïd, c'est pas non plus il y en a plus que Brian De Palma, hein. Hollywood, quoi. Oui, voilà, mais bon, donc parfois ça pêche un peu sur le côté formel, mais en termes d'écriture et de direction d'acteur, ça joue un peu, quoi. Bah voilà, Polo quand même ça reste le plus fort, quoi. Il n'y a pas à chier en termes de pour créer des personnages ambigus, des persos pervers, des persos étranges et qui sont joués comme des brutasses, c'est absolument merveilleux. Tu ressors, quoi. Et tu te poses des questions, ouais, t'as toujours ce petit goût de caca dans la bouche quand tu ressors, tu dis non, quand même il s'est passé un truc, quoi. Et dans un autre genre, donc c'est un film qui est peut-être passé un peu rapidement. C'est assez marrant parce que là j'ai eu l'occasion d'aller présenter Dogman de Matteo Garrone, qui était sorti en 2018, c'est bien, un film un peu sacrifié, sorti en plein été. Et justement, en revoyant le film, je me suis dit c'est ça que moi j'aime bien voir au cinéma, c'est quand j'ai un personnage et que le personnage il est tellement compliqué, il est à la fois tellement simple en apparence et tellement compliqué en profondeur, quoi, que tout le film tient en fait sur cette capacité d'un acteur. C'est intéressant, Matteo Garrone. C'est parce que moins bon film peut-être, pour le coup, c'est peut-être son adaptation de Gomorrah. Ouais, je trouve qu'il est quelque part son film le plus commercial. Ouais, ouais. Mais le reste, il y a des trucs plutôt bien. Il travaille plutôt avec Gomorrah. Que j'ai toujours pas vu. Comme 40 millions de trucs, bref. Voilà. Et donc, sinon, pour finir, donc, je disais, c'est un film qui est un peu passé un peu rapidement, qui était passé sous mon radar aussi, qui s'appelle Fragile, un genre de teen movie réalisé par une jeune réalisatrice qui fait son premier long métrage comme metteuse en scène, qui est Emma Benestan, donc qui était la monteuse de Kechiche sur Make to My Love. Donc elle a l'habitude de gérer beaucoup de rush et de voir des gens qui font du bordel. Et de voir des fesses. Là,
pas beaucoup, mais donc ça, ça s'appelle Fragile, et donc c'est sur en fait un jeune qui veut reconquérir sa jeune donzelle, et donc avec une de ses copines et ses copains, ils vont apprendre la danse justement, et à faire un peu plus ressortir ce côté fragile justement, alors que c'est plutôt des machos un peu qui se pensent virilistes, et puis qui roulent des mécaniques. Et justement, il y a une vraie qualité d'écriture, une vraie direction d'acteur qui donne tout le charme au film, et c'est un des vrais rares teen movie des dernières années en France. C'est absolument parce que il y a eu comment dire, je pense à ça aussi en parlant de jeunes, justement de jeunes. Il y a un film, alors moi que j'ai pas vu, mais qui avait, je sais pas pourquoi je l'ai raté celui-là aussi, mais qui avait l'air, il y avait l'air d'avoir des trucs pas mal. Pourtant c'est Gagarine, ça, il y avait, je sais pas qu'est-ce que ça valait ça. Alors je l'ai pas vu, mais pareil, je voulais le rattraper avant de venir. Moi je pense que ça c'est un des trucs à rattraper. Apparemment ça vaut le coup quand même. Visuellement ça avait l'air de péter un peu, quoi, tu vois. La banlieue filmée par Instagram. Hein, c'est un peu l'effet Xamzé, moi, d'avoir la banlieue qui serait filmée par Instagram ou ce genre de choses. Ouais, peut-être. Mais bon, il faudrait voir le film, hein, déjà. Hein. Alors, on dit du mal, mais. On va quand même pas commencer à regarder les films pour en dire du mal, non. Ça serait contraire à. Ça serait contraire à notre éthique. À l'esprit de cette émission. Donc, de toute façon, le reste des choses, on va parler aussi. Le film de Guillaume Niclou, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, donc Les Rois de l'Arnaque, est absolument. Fabuleux, et donc de toute façon tous les autres aussi, The Nightingale, mais là je reviens un peu sur mon floc, parce que pour la première fois de toute ma vie de cinéphile exigeant, cette année je suis sorti d'un film avant la fin de sa projection, et en plus une comédie française. Alors là, croyez-moi que c'était nul. Oui, hein. C'était le truc sur Portugal, Opération Portugal, de Franck Simière. Je suis parti au bout de 45-50 minutes. Opération Portugal. Ouais, bah encore, tu fais beaucoup mieux qu'eux, hein, mais pour te dire, la meilleure qualité du film, c'est Vincent Moscato. T'en es à regretter que Vincent Moscato n'apparaisse pas plus que ça, donc c'est dire à quel point j'étais. C'est un peu ce que j'appelle l'amendement Jean-Paul Rouve dans Aladdin. Ouais. C'est à les moments où tu dis vivement que Jean-Paul Rouve revienne, parce que les autres sont vraiment trop mauvais. Oui, c'est ça. Pourtant, on n'est pas trop mal pour la comédie française. On a eu quand même un film produit par Jean-Marie Poiret, donc écoutez, plutôt un bon d'ailleurs. Oui, que j'ai pas vu. Le mystère de Saint-Tropez. J'ai vu plusieurs fois, si tu veux. C'est pas si mal que ça. Non, mais je regarderai un jour. On a beaucoup. D'ailleurs, ça fait. Bon, faut en reparler en antenne, mais j'ai vu Cross avec Michel Sardou il y a pas longtemps. Ah oui. Et ça sera mon comment dire, mon coup de cœur pour cette ici. Très bien, Cross, c'est pas mal. Michel Sardou, bien taré. Vivement qu'il revienne. Ouais. Donc voilà, là on arrive malheureusement à la fin de cette émission. On va voir si on a du temps, si les studios sont libres, on peut peut-être faire du bonus pour aller s'écharper. J'aurais bien dit du mal de Matrix, mais puisque tu nous as promis une émission spéciale, je vais peut-être garder mes billes pour plus tard, peut-être. Du coup, j'ai appelé JB, on fera ça. Donc le formidable Matrix Résurrection, donc de Lana Wachowski, qui est sorti le 22 décembre dernier. Mais c'est parce que je suis transphobe aussi, merci de l'avouer. Enfin, Erwan, enfin tu révèles. C'est pour ça que je suis un peu réservé. Tu révèles ton vrai visage. Donc voilà, globalement, une année 2021 quand même plutôt chouette, beaucoup de bonnes choses. On espère que 2022 sera évidemment sur les mêmes rails de la qualité et de la surprise. En tout cas, s'il y a des bonnes choses, évidemment, on vous en parlera. Comme je le disais, toutes les listes de nos petits camarades, il y a aussi des choses assez surprenantes dans la liste de tout le monde, sont à retrouver sur le détail du podcast de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine donc pour rigoler avec Paul Schrader et son nouveau film, et avec aussi l'autre rigolo, Paul Thomas Anderson. C'est l'année des Pauls. C'est l'année des Pauls. Notre ami Vérophane aussi. Ah oui, exactement. La Sainte Trinité, quoi. Le retour de Paul Prébois, peut-être. J'y pensais, malheureusement, Paul Prébois nage avec les anges tout là-haut. Depuis longtemps. Avec Carlos. Oui, j'aime beaucoup Paul Prébois. Donc, et Sim. Ah oui, j'aime beaucoup Sim aussi. Mais de toute façon, globalement, tout ça, Galabru, voilà, Dernier Bourg à Paris, Darry Cole. Donc voilà, prochaine émission, prochaine édition. Merci à toutes et tous. Merci Valentin, la technique. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir et bonne année. Salut. Salut.